100% of that subscription is going on demande les routes qu'ils vont utiliser. Je pense qu'ils vont rester sur des routes plutôt classiques. Oui, je pense aussi. Peut-être un peu de save glitch, mais un peu celui qu'on retrouvait dans les salles de base, entre la 4 et la 5, peut-être. Celui-ci n'est pas très très compliqué. Après les autres, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Donc en fait, c'est quoi? C'est que c'est deux players sur un contrôleur. Le problème, c'est bon, vu un contrôleur, c'est vague. Ça peut être clavier souris ou manette. Donc on ne sait pas en fait si ça va être sur clavier ou souris. Donc là, on envoie des pubs. Donc je vous dis à dans 2 minutes. Looks like Korean is still way ahead now. They're not as close between Korean and French anymore. So Korean language is at $3,157 and French is at $2,661. So if you really want to listen to the French version of Jak and Daxter 2 instead, make sure to get those donations in. There's also many other languages below that, but English is the closest at $430. We have a $60 donation from Dr. Ill. Got to donate during the source block. More people need to donate to kill the animals, so we can make it a close race. A close race will result in more donations in the bid war. Everyone wins. That's a pretty good line of thinking there, Dr. Ill. I like your style. We have a $50.20 donation from Carulius24. Loving that valve block. Great run so far. Shout outs to the 502 crew. We have an anonymous donation for $100 to my boy Michael Crutch, who whooped leukemia's butt. Let's go fast beating cancer. And a $25.02 donation from GAW502. My good friends Tom and Sam were both diagnosed with cancer last year, so this donation is for them. Shout outs to the 502 crew, Sporty Board, and PAX Mug. We have a $50 donation from JDude. Second donation this week out of 4 planned. You guys are awesome! Not just because you can do these amazing things in the games, but you've taken hours upon hours of practice and a little elbow grease, used it to make a real difference. It is a hope of mine to one day have a game I made myself to make it into a GDQ marathon. Well, thank you for the donation there, JDude. We have a $105.02 donation from Hulk Hoagie. Great job, everyone, and thank you all. Put this towards the Red 13. Donation incentive, and congrats to all winners. The donation incentive that he is talking about during the. Ok, donc re tout le monde, reveille. Heureux. Alors que je crois que je viens de réveiller Colette. Alors, ben là, donc du coup, ben, on voit qu'ils vont jouer un sur clavier, un sur souris. Donc ça va être intéressant. Après, j'aimerais bien savoir qui est qui, parce que j'ai pas vu de vidéo, puisque je n'ai pas trouvé sur ce type de setup. Donc je vais essayer de voir sur une de leurs vidéos si on les voit. Tons of time on that still, but if you want to make that change on that name, you can do so. Bonjour à tous les arrivants. Donc si vous venez tout juste d'arriver,
vous allez assister à une run portal en inbound, donc c'est-à-dire en restant dans les limites de la map, sur un setup particulier puisqu'il y aura deux joueurs sur un seul PC. Ouais, c'est exactement ça, et du coup, donc Bubble Del Fuego et ce charmant jeune homme à la casquette qui a un regard plein de profondeur. Donc voilà, ça me permettra déjà de cibler, ce sera lui qui sera à la souris. Donc je ne sais pas trop comment ils ont réparti les rôles, est-ce qu'il y en a un qui a un meilleur IM qui permet d'avoir une visée plus rapide, je ne sais quoi. Sachant que je pense que c'est quand même assez perturbant, puisque parfois notre manque de rapidité à la souris peut être compensé par un strafe, droite-gauche, au mouvement en fait, physique du personnage qui permet d'avoir une précision un peu plus rapide. Et là du coup pour se coordonner c'est quand même pas évident, surtout que Portal est quand même un jeu qui retourne un petit peu le cerveau, donc voilà, ça va être assez rigolo, j'ai hâte de voir ça. Deux gars en tout cas, perso je les connaissais pas vraiment, mais qui sont quand même énormément suivis sur leur Twitch, donc je pense que ce sont des gars très très sympathiques. Donc n'hésitez pas à les suivre, apparemment il y aura plein de trucs. Dont du Portal, hein, parce qu'il y a deux runners de Portal aussi à la base. Ne l'oublions pas. Et je pense que le résultat doit être assez, assez massif. Alors qu'ils sont en train de s'équiper. Les deux runners en étant quand même assez proches. Bubbles est à 15 minutes 43 et Cyrano à 15 minutes 33. Ouais. 10 secondes d'écart. Oui, c'est ce que j'avais vu leur temps sur leur run solo, c'est vrai qu'il y a ces deux joueurs de même niveau. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est quand même une expérience particulière, sachant qu'à mon avis, ils doivent pas vivre à côté, donc ils n'ont pas dû pouvoir vraiment s'entraîner sur ce type d'exercice. Ils ont sûrement dû jouer un petit peu pendant la GDQ, mais vu l'état d'esprit, ils doivent surtout s'amuser, profiter un petit peu des autres runners plutôt que passer des heures à jouer. Bon, s'ils sont sur place depuis dimanche, ça leur a quand même laissé un petit peu de temps pour jouer un petit peu, mais c'est vrai que ça va être une expérience qu'ils n'ont pas dû faire énormément de fois. Il n'y a pas de vidéo à ma connaissance sur le web qui traîne de ça, de cette expérience-là, donc voilà, une part de voir ce que ça donne. Ça va être assez drôle, je pense que c'est plus en rang de la détente et on va être un peu... peut-être un peu moins sérieux que sur la run précédente. Oui, on aura un peu plus le temps de commenter. Ouais. Avec c'était tout player, one computer. C'était one controller. Donc estimé 30 minutes. Je pense pareil quand même qu'ils vont pas mettre 30 minutes. Parce que 30 minutes, c'est vraiment pas un temps de qualité. Je pense que c'est quand même deux très bons joueurs qui vont réussir à dépatouiller assez... un peu plus rapidement, je pense que s'il faut un 20 minutes, ça sera déjà excellent. Je pense pas qu'il soit beaucoup plus haut que ça. Sauf si vraiment on voit, si dès le début on voit qu'ils ont de gros problèmes de coordination, ça peut effectivement traîner vraiment bien. Mais je pense pas que ça se passe aussi mal que ça. 30 minutes, c'est pas beaucoup. Surtout que derrière, t'as Blizzik et Noircat qui doivent être en train de regarder ça avec attention. Donc quand t'as le world record derrière toi... Voilà, t'as un peu de pression. Un petit peu de pression, tu dis « Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Je vais peut-être pas faire trop de merde. » Mais bon, c'est deux joueurs apparemment qui sont assez expérimentés sur le live, qui ont l'habitude de faire des performances devant pas mal de public. Donc je suis pas trop inquiet. Je pense qu'ils ont pas beaucoup de pression et ça va être... Much love to you all. Thank you for the... Oups, ça demande des coordinations assez ouf. Hein. Il y en a un qui fait une erreur automatiquement, l'autre... Ah bah oui, l'autre faut pas rattraper quoi. Ouais. Il faut avoir confiance en son mate, se jeter à corps perdu dans la lave, en espérant qu'on va être sauvé par une action miraculeuse de son partenaire. Non, ça promet d'être rigolo. Donc voilà, on le voit, les deux sont assez détendus, ils ont le sourire. Pas beaucoup de pression, je pense. Ça va être sympa. Est-ce que le chat dit des choses intéressantes? En théorie, oui, puisqu'on a un chat de qualité, quand même. Toujours.
toujours. Donc oui, Moubot qui nous rappelle que sur chaque vente de t-shirt Unity, 3$ sont reversés à la fondation. Donc voilà, ça peut être un achat malin qui permet de reverser un petit peu de sous pour la recherche, donc n'hésitez pas. Pareil pour le Humble Bundle, où vous pouvez répartir à vos souhaits la somme que vous donnez pour le pack. Donc c'est aussi la possibilité de vous faire plaisir avec plusieurs jeux sans dépenser trop d'argent et en étant une dépense utile pour tous. Donc n'hésitez pas. Just like the last run, we'll be doing pretty much the only thing that's the same as the last run is the fact that we're going to stay inbounds, but we're going to. Alors le setup portal est deux joueurs sur un seul PC. C'est ça. Pour répondre à Will the Shield. Will the Shield. X-Death. Moi, ce que je remarque, parce que j'ai pas pu beaucoup suivre malheureusement le stream cette année, puisque je bosse. Malheureusement. Et je me rends compte quand même qu'ils ont fait de gros progrès de réalisation. On sent qu'il y a un vrai souhait de faire mieux chaque année au niveau de la présentation du stream, les petits bandeaux, les micros qu'ils ont installés aux joueurs là, sont des micros de très haute qualité. Enfin, on sent qu'ils s'investissent dans cet événement, ça fait vraiment plaisir à voir. J'espère qu'ils sont de plus en plus. Soutenu par des groupes d'équipement, par exemple, qui peuvent les aider là-dessus. Mais en tout cas, ça fait, c'est vraiment très agréable de voir une qualité de réalisation aussi bonne. Alors que ça va commencer. Alors, voyons voir. Je vais séparer un petit peu plus Vayne hein, sur celui-ci pour montrer quand même que ce cher Vayne a des connaissances et des compétences réelles sur le jeu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, ouais. Oh bon, une phase d'attente, hein, on n'a pas le choix. D'attendre que le portail s'ouvre. Donc ils s'amusent avec ce qu'ils peuvent, en l'occurrence une radio. Ce qui est sympa, une radio. C'est assez tout convivial, ça réchauffe les cœurs. Il y a une bonne musique. Musique qu'on peut changer si on le souhaite. Ah bah tiens, ça je savais pas qu'on pouvait changer ça. C'est marrant. Ah oui, je savais pas non plus. Donate. Ah, ça, voilà, donner, bourrer les dons. Ça, c'est très très drôle, parce que normalement, ce n'est pas écrit, bien sûr, dans le jeu, mais il y a un texte invisible, je crois, de ma connaissance. Donc, c'est vrai qu'après, on peut changer quasiment tout ce qu'on veut en texture, c'est un petit peu doué avec des outils. Oula. Donc, ils n'utilisent pas la BH, apparemment. Bon, ça, on va pas leur en vouloir. Là-dessus, il y a pas de soucis. Faut savoir qu'en sautant dans ce jeu, on va quand même plus rapide. C'est quand même plus rapide que de marcher normalement. Ils s'applaudissent, c'est énorme. Voilà, donc, c'est bonne humeur. Effectivement, XR, j'adore vendre des radios. Puisque dans mon métier, je vends des radios. Donc voilà, c'est la joie. Donc phase où on doit attendre un cycle de portail bien précis pour aller récupérer le cube et puis le poser sur le bouton pour pouvoir s'échapper. C'est marrant que ça. On voit vraiment que... Ah, un petit peu d'ABH là, sur la même ligne droite. Gratuit. Il y a Bubble qui a voulu rouler une patch, je crois même. Il s'est pris un petit peu. L'autre a dit non, faut pas déconner. Non. T'as une casquette. Ils ont pas n'importe quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'est marrant de voir un petit peu cette rigidité que peut avoir un joueur débutant sur le jeu où on a un petit peu l'impression de jouer avec les bras dans le plâtre. Mais c'est tout à fait charmant, en tout cas, quand même. Bon, pour l'instant, les temps sont corrects. Hein. Ah, donc on va plus tarder à récupérer le premier portail.
Also, if there are any fans of Zoolander in the audience. Donc pas de save glitch. Pas de save glitch, pas trop d'optimisation des potes. On y va à la classique. Pas d'ABS. Mais c'est rigolo. Franchement, moi je me marre bien. Pas pour l'instant. Voilà, comme ça vous pouvez mieux comprendre le jeu. Ouais. Et donc là, par exemple, dans le run d'avant, grâce au save glitch, ils s'étaient retrouvés directement à cet ascenseur ici. Donc ils ont en fait skippé l'ascenseur juste avant. Quand même, en même temps, c'est important. Et ils s'applaudissent à chaque fois. C'est génial. Ça doit être tellement dur que du coup. Un petit ABH. Ah, et le save glitch. Il va le tenter. Ouais, c'est passé. Donc, mais il passe du premier coup, GG. Ouais, c'est bien. Là, c'est quasiment sûr qu'ils allaient le faire celui-ci parce qu'il est pas extrêmement compliqué. Ouais, c'est pas le plus dur. Et il fait quand même gagner beaucoup de temps. I know it didn't sound like it, but the acoustics in here are pretty bad. To be fair, this crowd's more like 7,000, 8,000. Ok, ici, du coup, ils vont pouvoir passer à travers la porte directement. C'est un gain de temps assez. Ah, là, ouais, c'est massif comme temps, parce que ça leur évite d'avoir le petit moment RNG sur le lancer de cube pour ouvrir la porte. Ça permet d'éviter d'aller chercher les cubes, donc c'est un gain de temps énorme. Il y a BB34 qui n'a pas tout suivi. Alors ça doit être sûrement à cause du save glitch, je pense. Que le save glitch pour activer, c'est assez particulier, faut se mettre au-dessus d'un portail. Sauvegarder, reload. Et et nous avons un petit fail. Ils sont morts. Voilà, donc c'est ça en fait, il faut sauvegarder au-dessus d'un portail, ça téléporte votre hitbox dans une autre... en dehors des limites du niveau. Et du coup après vous pouvez en fait visuellement vous passer à travers les murs, mais en réalité en fait si vous n'êtes pas à l'endroit où vous êtes visuellement parlant, c'est un peu compliqué comme concept, mais voilà, salle 7 à 2 ça va être chaud quand même, hein. Ça va être chaud, ouais. Pas un stuff forcément évident. Ah, il est passé. Ah, il est passé, GG. Là c'est vraiment très joli là, parce que honnêtement c'est une salle très dure à faire déjà solo, donc à deux ils ont réussi. Alors l'emote sur le portal gun, effectivement j'avais même pas vu qu'il y avait une emote. Je pense que ça va être celle de Cyrano, ça ressemble plus à Cyrano. Cap Bumble del Fuego je pense. Donc là, je pense qu'ils y arrivent. Ah joli, c'est joli. Ouais, ils ont pris leur temps pour le setup, mais au moins ils ont réussi à passer, donc c'est propre. Bravo. C'est pas forcément facile à passer tout seul, franchement, à deux. Respect. Ouais, c'est une salle, une route quand même assez difficile où en fait on passe sur un petit rebord du mur. C'est vrai qu'ils ont pris un peu de temps, mais c'est passé, c'est l'essentiel. Donc là, un portail en dessous de la porte qui va pouvoir nous permettre de passer. Ils sont vraiment marrants en fait. Je crois que je vais suivre leur stream. Ils sont cool. Ah, ils sont marrants en fait. Je t'aime, Turno. Are you guys going for Dorfling? No. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il tente quand même ça. Ah, il tente la FH. Ça va pas passer. Ça passe pas. C'est pas grave. Ah, il le retente. Ils insistent. Ah, ah dommage. Ah voilà, là, ah fait. Bravo, ils ont réussi. Donc Ferme Arcade avait réussi à skipper aussi cette phase, c'est ça qui est vraiment très très dur, il avait réussi le premier coup. Et donc là, oui, ils ont fait ça en deux étapes, mais déjà, c'était bien optimisé. Alors le planning à faire, normalement, il est à jour. Pas de bêtises. Oui, il y a le jour, ouais. C'est mis en jour en temps réel, donc c'est à jour. Donc là, on récupère le portail orange. Ouais, ils veulent aussi faire le save glitch ici. Ouais, pareil, ça va être un peu compliqué. Ouais, ils veulent le tenter s'ils veulent, mais c'est... Tu vois, il est vraiment pas évident. Non, celui-là est vraiment dur.
Personnellement, je l'ai jamais réussi. Yeah, should be okay. No, never mind. I'm a liar. Là, vous voyez, il s'est mis au-dessus du portail et il sauvegarde au moment où son personnage apparaît en fait au-dessus du portail bleu. Donc c'est un peu spécial, mais c'est bon, ils sont arrivés. Alors pas complètement comme ils l'ont fait tout à l'heure, mais au moins ils ont réussi à skipper la moitié du niveau 11, ce qui est déjà très très fort. Hein. Franchement, on peut les féliciter. Et là, ils vont tenter de lancer le cube. Alors là, c'est là, passé dedans. Ça, il aurait passé. Je crois que j'aurais fait quelque chose de fou. Mais voilà, tout à l'heure, en fait, les joueurs étaient arrivés directement à cet ascenseur sans passer par cette phase de cube, etc. Donc, c'est intéressant quand même de voir cette route, puisqu'au final, ça vous permet de mieux comprendre la folie du run qu'on a vu juste avant. Il y a Wild qui dit qu'il va aller bosser avec la gerbe au ventre. La vraie content. Nous, on s'est habitué maintenant, c'est vrai qu'on est habitué. Ouais, on s'est habitué. Ouais. Right. Ouais, habitué plutôt rapidement. Ouais. Je crois que mes premières 50 heures d'entraînement, tout début que j'ai commencé, je les faisais sous paracétamol quand même. Right. J'arrivais pas à tenir, j'avais des mal de tête affreux quoi. Alors non, j'ai pas dit que j'ai jamais réussi la salle, attention. J'ai dit que j'ai jamais réussi ce save glitch particulier. Oui, si t'étais resté bloqué, ça aurait été triste quand même. Voilà, donc là, bon, la salle 14 qui est faite, on va dire, sur la route classique des speedrunners, mais qui est déjà très très optimisée, donc elle se fait en moins de 10 secondes en général, contre 2 minutes quasiment, quand on l'a fait avec toutes ces énigmes. Donc une petite optimisation de la salle. Donc là, il va placer un portail dans un petit pixel bien précis à travers la vitre, un petit portal bumping, et on passe directement à la suite de la salle. Donc, bah, pour l'instant, il se débrouille bien là. Ah, petit fail, il se rattrape. Ah, il s'est bien rattrapé. Ça passe. Ok, donc là aussi optimisation. On va utiliser sa propre vitesse pour atteindre directement la hauteur. Ah là, c'est beau ce qu'ils ont fait sur cette salle. Franchement, moi c'est une salle où j'ai encore beaucoup de mal dessus, je me troll souvent. Là, ils ont quand même fait une route ultra propre à deux comme ça, c'est quand même très difficile. Encore un portal bumping. Là, ils vont bien skipper une minute environ de dialogue. Ils en enchaînent deux. Ouais. Pour éviter tout un passage avec des toiles. Ouh, non, c'est bon, c'est passé. Plus peur qu'il soit deux zingués. Ah ouais, parce que début de la salle 16, vous avez un dialogue avec GLaDOS qui doit être subi avant que la porte s'ouvre. Et c'est vrai que du coup, en forçant la création du portal derrière le mur avec du portal bumping, du coup on skip ça, donc c'est extrêmement intéressant à réaliser sur cette salle, puisque c'est une grosse optimisation, ne serait-ce qu'en skippant ce dialogue-là. Bon, la salle 17 avec le fameux component cube, donc ça c'est assez marrant quand même, puisque c'est une salle qui est une des plus longues du jeu, et qui est bien une des plus courtes. Ouais, c'est vrai que c'est une salle, pour ceux qui se rappellent, où il y a trois mini énigmes. Ouais, c'est dangereux ce qu'ils ont fait. Trois mini énigmes à faire, et qui sont assez longues à réaliser, qui permettent de déverrouiller la sortie. Et là, en fait, grâce au portal bumping, on voit qu'ils arrivent à sortir de la salle ultra vite. Bon, ça se prend un peu les murs. Oui, bah ça, on va pas leur en vouloir. C'est normal. Après, on a vu que quand ils sont rentrés dans le portail orange pour sortir dans le portail bleu avec le cube, ils ont pris un peu de temps parce qu'il peut arriver parfois que le cube se téléporte sur le couloir du dessus, au-dessus du bouton. Si on rentre un peu à la bourrin avec le cube en l'air, il arrive parfois qu'il clippe à travers le mur, le plafond en fait. Et du coup, on perd le cube, on est comme un con bloqué là. Il faut retourner le chercher, ce qui est quand même assez relou. Salle 18. Donc, je pense qu'ils vont quand même faire le edge glitch. Oui, je pense qu'ils vont le faire. Ouais.
Alors là, pareil, c'est pas très parlant visuellement, mais en fait, ils déplacent leur hitbox à un endroit que vous ne voyez pas. C'est-à-dire que on se voit à un endroit, mais pour le jeu, on est à la fin du jeu déjà, en fait. Et du coup, ça donne accès à une zone de tir de portail qui, pour vous, visuellement, n'existe pas. Mais pour le jeu, on y a accès réellement, ce qui permet en fait d'arriver directement à la fin du niveau. Tandis qu'ils prennent une photo. Oui, bah voilà, c'est une salle, on doit attendre de toute façon avant de monter l'ascenseur. Un petit selfie, je pense. Pour faire un petit selfie. Ouais, il y a du beau monde, donc ça va. Bonjour aux arrivants. J'espère que vous allez bien. Salut tout le monde. Là, ils vont tenter. 19, ils veulent tenter. Bon, voyons voir. Ah, oh, ça passe, joli. Ah, ça passe, franchement. Premier coup, bravo. Donc là, en fait, voilà, ils ont utilisé la méthode où, en vous relevant, en ayant le plafond qui vous coupe en deux, littéralement, bah, vous arrivez en fait à tirer un portail en dehors des limites du jeu, sans en sortir, et pour le coup, vraiment, c'est-à-dire on reste vraiment dans les limites du jeu, c'est pas un bug visuel. Et bah, du coup, ça permet d'accéder à la fin du niveau 19 directement, sans avoir à tout se taper. Donc c'est bien exécuté parce que c'est pas facile, hein, c'est assez précis. C'est là où on sent quand même que c'est deux gros runners du jeu. Là, pareil, il faut une très bonne coordination parce que le temps qu'on a de tir entre le moment où on saute et où le tir est disponible est très court. Donc là, ils sont bien coordonnés, c'est bien joué. Parce qu'à la fin du jeu, on y arrive. Donc la petite optimisation aussi, on place le portail bien en haut. Ça passe tranquille, pas de problème. Donc là, on a vu qu'ils ont utilisé une route un peu différente que Noircat et Blizzic tout à l'heure. C'est une route qui est 3-4 secondes plus lente, mais qui est beaucoup plus safe. Donc je ne m'étonne pas qu'ils l'aient utilisé. Parce qu'elle est plus facile à exécuter. Et on demande. Pour l'autre route, il faut vraiment arriver en ABH à fond. Il faut vraiment optimiser ses déplacements pour avoir le temps de la faire. Mais on voit qu'ils ont utilisé une méthode un petit peu alternative, mais qui permet quand même de grimper ultra vite sur la fin du niveau. La tourelle, on la dégage. Et si, on l'a pas dit tout à l'heure, mais il faut savoir que normalement les portes ne s'ouvrent pas dans cet ordre-là. Il suffit en fait de se rapprocher de la porte, normalement elle s'ouvre directement, ou même d'appuyer sur utiliser en faisant la porte. Et ça. Ah merde, là ils sont fail. Aïe. Et ça. Ça ouvre directement la porte qui nous intéresse pour aller vers la fin du monde. Voilà, GG à eux, ils sont repris à 2-3 fois, mais c'est vraiment une très bonne coordination et c'est pas facile quand on n'est pas la personne qui dirige le personnage pour y arriver. Donc là, encore du portal bumping, donc là on le voit très bien à travers la vitre. Donc là, je pense qu'ils vont passer à travers la vitre. Il arrive. Ouais, ça va être. Ça troll un peu. Et... Ah, si, c'est passé. C'est passé. Ouais, là, il faut utiliser la chaise pour monter. Ouais, ça m'étonne pas, parce que c'est vrai qu'à deux. Ouais, c'est vrai. Pour monter sur la chaise, c'est un peu chaud. C'est possible, mais c'est quand même chaud. Alors, ça, apparemment, c'est pas la chaise qu'il faut utiliser, faut péter le tuyau. Ouais. Et personnellement, la première fois que j'avais fait le jeu, c'est que j'avais fait avec la chaise. Je sais pas toi. Et ouais, moi aussi, il y a beaucoup de gens en fait qui ont fait avec la chaise parce que c'est pas intuitif en fait de péter le tuyau à la roquette, mais effectivement, la vraie solution prévue au départ était d'utiliser la roquette pour péter un tuyau qui distribue des cubes. Ah, donc là, ils vont placer un portail bleu juste en face de la toile pour pouvoir tuer GLaDOS beaucoup plus rapidement. J'ai essayé un petit peu d'ABH, mais ça n'a pas bien marché sur le plan, malheureusement.
Ah, ça demande une coordination de ouf là, pour la BH. Ah, donc là ils vont passer le orange, et ce qui va permettre au laser de passer. Bon, ça c'était pas prévu par les développeurs, hein. Oui. Sachant que oui, ce qu'on n'a pas précisé, c'est pour ça qu'on dit que la BH pour eux c'est dur, c'est que celui qui est au clavier doit faire des actions très précises, et celui qui est à la souris doit en plus sauter, puisque c'est lui qui saute à l'aide de la molette. Sur un bon timing qui est calé sur les mouvements de son mate à la souris. Donc c'est pour ça que c'est très dur de faire ça à deux en fait. C'est vraiment étonnant qu'ils y arrivent même parce que c'est ça demande beaucoup de coordination quoi. Donc là je sais pas trop ce qu'ils font. D'accord, ils voulaient se passer vraiment sur le rebord. Ok. Et ils vont finir avec un très bon temps à deux, franchement. Ah bah oui, c'est excellent. Bon, une fusion quelques Savvy Beach, mais franchement, le niveau de difficulté, c'est énorme. Quoi. Trate le portail, mal placé. Il est passé sur la petite lumière. Ah, le troll de la boule. C'est le cerveau qui se fait repousser. Non, ça, c'est énorme. Le troll de la boule qui rebondit comme ça, je l'avais jamais vu. Et voilà, ça va être fini. Allez. 19-01, franchement, bravo, c'est bon, énorme. Ouais, c'est énorme. Franchement, deux excellents runners qui nous ont montré tout leur talent. Donc, comme vous voyez, on vous disait 30 minutes. Ça me paraissait un petit peu excessif. Enfin, c'est ça plutôt dans les 20 minutes. Déjà à peu près. De l'estimation, franchement, un gros bravo à eux. C'est une très très belle performance qu'ils nous ont montré. Ouais. Et c'est sympa à regarder. Ouais, très agréable à regarder. Donc voilà, un très bon moment de speedrun avec eux. Alright, well that was something amazing. Up next we have a Portal 2 run with Zernicus. Donc ce qui va suivre du Portal 2, ouais. On en a pour un peu plus d'une heure. Ouais. Là, du Portal 2 par Zernicus, alors je vais être sincère avec vous, ça fait un petit moment que j'ai pas regardé de run de Zernicus, pourtant il en a refait, il avait arrêté pendant longtemps parce qu'en fait c'est un extraterrestre sur le jeu où personne n'arrivait à atteindre son niveau, donc il a dit j'attends que quelqu'un me batte avant de reprendre. Là, je sais qu'il avait repris un peu l'entraînement quand même pour la GDQ, parce qu'il faut pas déconner non plus. Et du coup, ça fait un moment que j'ai pas vu de run de Portal 2 par Zernicus. Et je me suis dit, je vais me laisser la surprise pour voir s'il a trouvé de nouveaux trucs. Et je vais essayer de m'étonner à moi-même pour voir s'il y a des nouvelles choses qui ont été trouvées. Et, voilà, essayer de découvrir ça avec vous. Je pense que ça permettra d'avoir des réactions un peu plus spontanées. Et en tout cas, voilà, donc on va avoir Portal 2 par le détenteur du World Record, qui est Zernicus, qui a son magnifique t-shirt Aperture, qui est noir cette année, qui d'habitude était orange, si je me rappelle bien. Qui est un gars extrêmement sympathique, que je vous invite à suivre sur son Twitch. Qui est Zernicus, tout simplement. Qui est un mec bourré de talent, qui fait aussi du Aperture Tag, on le verra sur Aperture Tag après, qui fait bien sûr du Portal, Inbound, Outbound, il fait un peu tout. Un peu tout ça, et avec beaucoup de talent et de sympathie, donc voilà, je pense que voilà, donc voilà, on va avoir des pubs pendant 3 minutes, ouais. Donc je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure.